Professor Monique Dixon. I should note by now, with thanks one more time, the continuous support of the De Forget Foundation to our symposium, and express my deepest gratitude one more time to our fellow Professor Carlos T. Monique Dixon, of course, is someone who needs no introduction whatsoever. But of course, it is impolite to give one. So I should keep it as short as possible. She's a professor emeritus on the University of Paris I, knighted with the Legion of Honor of France, and author of a number of landmark books on great stars. You probably know very well the Nature Philosophe, Métamorphose de la Dialectique, Les Désirs de Contemps Platon, Platon la question de l'âme, the recent book she very kindly sent me this year, Platon Nietzsche, the two volumes of the Conte Platon, and the wonderful translation of the Republic, and of course, of the Phaedon. She's going to talk about the theme La Mort, is the one of the podcast shows. Merci. Ceux qui m'ont invité, remercier en particulier le professeur Corneli, who has endured with great patience my fantasies. And I'd like to say also I'm very honored to occupy the chair of the great Platonist. I'm sorry, I'm getting old and I forget many things. Okay, so I'm going to speak in French so that, unfortunately, or fortunately, many of you won't understand what I'm saying. But for me, there is no other language to express precisely what I'm thinking. So, sorry, you'll hear French during 40 minutes. Très tôt, on s'est référé au Phédon comme à l'écrit sur l'âme. Pourtant, la question qui fait passer du prologue au dialogue et on indique le thème central ne porte pas sur la vie, mais sur la mort. On peut douter que le problème de la mort soit à proprement parler un problème philosophique. La mort est un défi au logos, écrit Jean Kelevitch dans son très beau livre La mort, une expérience ou l'expérience impensable. On peut à vrai dire douter que la mort soit un problème. C'est un phénomène naturel auquel tout vivant est soumis du simple fait d'être vivant et un événement scandaleux quand il frappe un individu irremplaçable, Socrate par exemple. Bien qu'il soit structuré par trois définitions de la mort, le Phédon relève le défi, logos, en commençant par démontrer que la mort n'est pas, pour le philosophe, un problème. Socrate en est la preuve qu'il apprend comme occasion d'affirmer en quoi les vrais philosophes diffèrent des autres, et occasion d'accorder à l'âme une puissance inconnue jusqu'alors. Socrate ne cherche pas à définir la mort. Il parle chaque fois, chaque moment du dialogue, à partir d'une définition révélatrice de la nature du sujet qui la propose et du type de discours qui lui est propre. Cela se marque par un emploi insistant du mot « nous ». « Et bien, c'est pas, c'est vous, bien, avec insistance tout au long du dialogue. Et c'est en prenant ce mot, nous, comme fil conducteur, ce mot qui est un terme sélectivement englobant, donc fondé sur un jeu d'opposition, et c'est lui que je vais prendre donc, comme fil pour parcourir encore une fois le fil. La première définition, la mort apanagée, la mort séparation d'âme, est formulée par un nous philosophe, que cette définition permet justement de constituer, de distinguer les autres.
La deuxième, la mort psychès eletros, destruction de l'âme, est opposée par un autre nous, un nous, les savants, qui enquêtons, l'historien, sur les rapports de l'âme et du corps. Mais, enfin, lorsque la mort est définie comme idée contraire de la vie, le discours se déroule alors suivant sa propre logique et engendre un sujet dédoublé en questionnant et répondant. Il n'y a plus de nous, dans le dernier argument, jusqu'à ce que, concluant ce dernier argument, Socrate affirme « et nos âmes à nous seront réellement dans la laisse ». Et il rappelle, comme nous l'avons entendu ce matin, pour finir à Criton, que nous devons un corps à Asclépios. Alors, au début de son récit, Phédon dit que ce jour-là, il n'a pas éprouvé de pitié, mais pas non plus un plaisir semblable à celui qui était le nôtre, lorsque, je cite, « comme nous en avions l'habitude, nous étions plongés dans la philosophie ». Car telle était bien la nature de ces discours. Le « nous » de Phédon est un « nous » restreint aux habitudes du cercle socratique dont il va énumérer les membres et parmi lesquels figurent quelques étrangers. Étrangers, Sinias et Sébès, ne le sont pas seulement parce qu'ils sont thébains, mais parce qu'ils vont introduire des discordances dans le « nous » de Phédon. Premier, d'abord, Sinias répond à la première question posée par Socrate dans le dialogue « Evenos est-il philosophe ?» Et moi, Egaïdogaï, à moi, du moins, il semble l'être, répond Sinias, entendant sans doute ce terme en son sens large de « qui aspire à toute forme de culture intellectuelle », raison pour laquelle Socrate va par la suite accompagner chaque fois philosophos d'une détermination restrictive. Toi, alitos, nesios, etc. Ensuite, la facilité à mourir de Socrate paraît insensée à Sébès, indigne d'un homme vraiment sage à Sinias. Sébès et Sinias ne s'accordent donc avec Socrate ni sur qui mérite d'être appelé philosophe, ni sur ce que signifie s'appliquer droitement à la philosophie. Pour lui, Socrate, face à la mort, le problème n'est pas d'être sensé ou sage, la question est de savoir si on a été bon ou mauvais. Son espoir est que pour les morts, je cite, quelque chose existe de bien meilleur pour les bons que pour les mauvais. Les mauvais étant ceux qui se sont enchaînés à leur corps, les bons ne peuvent être que ceux qui se sont efforcés de s'en délivrer, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à l'éthos philosophe. Sous-entendant probablement que ce n'est pas le cas d'Evenos. Aussi, lorsque Socrate déclare en voyant promener ces gens-là, enfin, disons adieu pour être plus poli de ces gens-là, je ne crois pas qu'il entende par eux seulement la foule, mais tous les philosophes qui cessent de l'être dès qu'il s'agit de parler de la mort. À quelle espèce appartiennent Sébès et Sinias? Sans doute à l'espèce instable des incrédules, mais qui sont néanmoins désireux d'apprendre de Socrate en quel sens réclament la mort ceux qui sont vraiment philosophes, en quel sens ils méritent la mort et laquelle. C'est donc d'abord cela qu'il faut tenter de leur expliquer. Parlons-nous donc à nous-mêmes. Epomenga pros emas autos. À nous-mêmes, et non pas entre nous, pros alemus, comme j'avais d'ailleurs étourdiment traduit dans mon édition. Car ce qui va être dit, chacun de nous doit d'abord se le dire à soi-même, pour faire naître en lui une certaine opinion, une certaine doxa. Socrate dira plus tard, la conséquence nécessaire de tout cela est qu'une opinion comme celle-ci vienne à l'esprit des philosophes authentiques, de manière à pouvoir échanger entre eux, prosaleus, des propos comme ceci. Une certaine doxa sur la mort, à laquelle n'aboutira que celui qui se parle à soi-même
est la condition nécessaire du parler entre nous, la condition pour que s'échangent des discours authentiquement philosophiques, puisque c'est cette opinion qui fait de chacun un nécios philosophos. La phrase de Phédon était naïve, mais elle n'était pas fausse. Entendre ce que dit Socrate est bien le chemin capable de nous y mener. Car ce que désire Socrate, 80 ans, n'est pas que ses paroles paraissent vraies à ceux qui l'écoutent, sinon accessoirement, mais qu'elles lui semblent à lui-même être vraies. Estimons-nous que la mort, c'est quelque chose? Cette question qui ouvre le dialogue n'a pas l'impersonnalité rigoureuse de la question dite socratique, de la question définitionnelle. Elle ne porte pas sur une essence, elle n'ouvre pas un examen dialectique. Elle ne questionne pas non plus le sens de ce mot « mort », mais s'assure que pour nous, ce mot dénote bien quelque chose. Donc une question qui ne porte pas sur le sens, la signification, et sur la référence, pour reprendre une distinction linguistique galvanique. Curieuse question tout de même. Quel mortel pourrait nier que la mort soit quelque chose? Certains sages ont pourtant estimé qu'elle n'était qu'un mot, parmi nous, le mot des mortels à l'époque, ou la dénomination erronée d'un phénomène de dissociation d'un mélange en pénombre. En ce cas, le mot mort n'aurait pour contenu qu'une image. Et s'agissant de la mort, le lien entre nom, image et affect, peur, est circulaire. C'est la peur qui engendre l'image suscitée par le nom, et le nom donne à l'image une réalité confirmée par la peur qui l'inspire. Les savants réduisent l'image à leur façon et exorcisent ainsi la peur. Mais nous, philosophes, avons une autre façon de le faire, puisque pour nous, la mort est bien quelque chose. Socrate ne dit cependant pas ce qu'elle est. Le « qui » indéfini n'est pas repris, comme on s'y attendrait dans n'importe quel dialogue de Platon, par un « qui » interrogatif. Si elle est quelque chose, alors qu'est-ce qu'elle est? Sa réponse est formulée interrogativement et hypothétiquement. Se peut-il qu'elle soit autre chose, je cite, que la séparation de l'âme avec son corps? Se pourrait-il que la mort soit autre chose que cela? L'expression apo tu somatos apallagai pourrait signifier simplement distance prise par rapport au corps, mais la suite indique qu'il s'agit bien d'une séparation radicale, l'âme et le corps s'isolant, chacun soi-même en soi-même. Pour les vrais philosophes, donc, la mort ne peut pas être autre chose. Mais pourquoi nomme-t-il mort? Reprenant ainsi le nom et l'opinion du grand nombre, pourquoi n'oppose-t-il pas plutôt une vraie vie à une vie qui n'est vivante qu'en apparence? Sans doute parce que c'est justement leur manière de définir ce mot « mort » qui permet à cet autre mot « philosophe » de s'attribuer en toute vérité. La séparation de l'âme est pour un philosophe des raisons, des délivrances, puisque, c'est bien connu, je peux aller vite, le corps a mille manières d'accaparer l'attention de l'âme, d'envahir tout le temps de la vie. Le corps, d'abord et avant tout, est principe d'Astroya, si on le laissait faire, il occuperait tout le temps. Et même s'il laisse un peu de scolaire, de temps libre, il impose à l'âme ses valeurs, et en outre, et surtout peut-être, l'opinion. Que savoir, c'est percevoir, et percevoir, savoir. Sa manière de connaître paraît offrir le seul accès à l'extériorité des choses du monde. C'est ce que quelqu'un comme Merleau-Ponty appellera l'expérience du corps propre. Si mon corps, si je n'ai pas un corps propre, moi, je ne serais plus ouvert au monde. Bien, voilà, tout à fait ce que Socrate pense, vous savez. Par conséquent, le corps semble être la médiation nécessaire à toute expérience, connaissance nouvelle. Mais pour Socrate, le corps
source d'affect, d'opinions contradictoires, de conflits intérieurs et extérieurs s'interposent entre la pensée et la vérité des êtres. Je cite, car c'est seulement dans l'acte de raisonner et nulle part ailleurs que l'un des êtres en vient à se manifester à l'âme avec évidence. Le philosophe, parce qu'il n'est né ni philosomatos, ni philocrématos, etc., peut enlever à ce mot, mort, sa puissance de qualifier les vivants. Mais c'est seulement leur doxa, leur opinion, que les philosophes opposent à l'homodoxie avec le corps. Comme c'est une manière de vivre et de penser qu'ils défendent, c'est de leur manière de mourir qu'ils parlent, pas de la mort. Ils peuvent seulement affirmer que ce que les hommes nomment mort n'exclut pas son contraire, la vie, pas plus que ce qu'ils appellent plaisir n'exclut la douleur. Ces choses, ces pragmata, contraires, étant attachées par une unique tête, les dédits du plaisir de la douleur, elles peuvent naître de leur contraire. Deux logiques vont donc alterner dans toute la première partie du phénomène, semble-t-il. Celle, une logique de la génération du contraire impliquée par le devenir, celle du premier argument, et une logique renversante qui existe, la référence à des êtres toujours mêmes, celle de l'argument de la réalisation. Lorsque Socrate explique de quelle sorte d'être il parle, le qui indéfini réapparaît. Je cite, affirmons-nous que le juste lui-même est quelque chose ou rien. Pas même Tiena qui d'ailleurs a autant d'elle. De même pour le beau, le bon. Chacun de ces êtres a sa manière propre d'être, son mission, c'est-à-dire ce que chacun se trouve être. Seul peut saisir cet ocean, celui dont l'âme s'est concentrée en elle-même. Dans ce premier moment du phénomène, les philosophes tiennent donc un discours affirmant que pour être vrai, un discours doit porter sur ce qui est, non pas sur ce qui devient, mais de ces êtres, Socrate ne nous dit rien. Sinon, que les poser doit amener à avoir une opinion de ce genre. Croire fortement, sera de même, que c'est là-bas et nulle part ailleurs que se rencontrera la pensée dans toute sa pureté. Croire et ne pas savoir. Il faut donc commencer par croire, si on désire savoir. Affirmation paradoxale, puisque savoir, tout le monde le sait, chez Platon, impose une rupture avec l'opinion, par la ligne de la République. Mais avoir cette opinion-là est nécessaire si on veut soumettre justement toutes les autres opinions à examen. Nécessité toutes relatives cependant, puisque seuls les vrais philosophes l'éprouvent. Comment la justifie-t-il? En disant que le vrai est ce qu'ils désirent, à quoi ils aspirent, que la pensée, phronesis, est ce dont ils sont amoureux, rastai, et en déclarant que nous ne posséderons jamais suffisamment ce que nous désirons tant que nous ne serons pas séparés de la déraison, de la folie du corps. Aspiration, désir, amour, ce ne sont pas des raisons, ce sont des pulsions de l'âme seule, c'est entendu, et des pulsions tout de même. Sa séparation avec le corps ne fait donc pas de l'âme pensante une pure puissance de raisonner dont tout désir serait absent. Dans le sentier, l'anthropos, capable de mener droit au but, doit donc se mêler raisonnement, croyance et désir en Dieu. Socrate, jusque-là, s'est donc borné à décrire une certaine sorte d'expérience, l'expérience de la pensée. Comme toute expérience, celle des philosophes ne prouve rien, surtout à ceux qui ne l'ont pas faite, et à ceux qui ne désirent pas la faire, et qui ne voient en elle qu'une mort métaphorique. Car lorsqu'une âme s'isole de son corps et se met à philosopher, elle ne fait pas plus mourir l'homme tel est l'âme qu'elle ne se fait mourir elle-même. Entre la mort qui sépare de ce qui est illusoire ou inessentiel et la mort qui fait réellement
périr l'homme, quel rapport peut-il exister? Cette première définition reposant donc sur une expérience exceptionnelle, elle ne saurait susciter qu'une grande incrédulité chez les hommes et se laisse sans rien dire. À ses yeux, la mort n'est pas un état de séparation qu'il faut atteindre, c'est un événement qui advient lors de ce bref mouvement, moment que tous nomment mourir. Il faut savoir alors ce qui arrive à l'âme, et si elle ne sera pas dissipée comme un souffle et un socle. Sébès réclame donc une justice, une preuve, au sens judiciaire, qu'après la mort de l'homme, son âme conserve quelque puissance et de la pensée. Pistis est associé par Sébès à Paramutia, à un discours qui rassure. Les arguments qui suivent sont des réponses à cette demande de Sébès et à son apistia. L'incrédulité, l'apistia, est le ressort dynamique du phénomène. On le retrouve à chaque fois quand il y a un passage à l'argument. Aucun argument dans le phénomène n'est réfuté, il n'est simplement pas assez convaincant et il en faut un autre. À ce moment, en tout cas, Socrate répond « Alors que fera-t-on ?» répond à Sébès. « Veux-tu que nous racontions toute l'histoire ?» Bien de le domaine, pour voir ce qui est vraisemblable. Socrate va raconter toute l'histoire, promener l'âme dans un espace qui s'étend d'ici vers l'Hadès et retour, premier argument, et dans un temps antérieur à la naissance, donc dans un temps et un espace mythique. Mais les deux premiers arguments sont encadrés par l'apologie prononcée par Socrate, discours d'un philosophe s'adressant à des philosophes, puis par la distinction entre deux espèces de réalité qui fait réapparaître les termes philosophe et philosophie. Ces deux arguments nous feraient donc passer d'un contexte philosophique à un contexte mythique, puis on reviendrait à un contexte philosophique. Socrate ne les présenterait donc que pour rassurer Sébès et les vivants en général. Ou étant évidemment ma suggestion, mon interprétation, Socrate tient-il un double langage autorisant une double lecture dont l'une permettrait de les réinscrire dans le contexte philosophique qui les précède et qui les suit. Alors, je vais m'attarder un peu sur l'argument des contraires, parce que c'est évidemment le plus difficile pour mon interprétation. Après, j'irai le plus difficile. Socrate propose alors d'examiner la question à peu près de cette façon. Les âmes des hommes ayant péri, tel était sa notion, existent-elles dans l'Hadès? Il déplace aussitôt la question des âmes des hommes vers les vivants. Si les vivants, tous hommes, naissent à nouveau de ceux qui moururent, ne serait-il pas évident que nos âmes existent là-bas? Nos âmes à nous ne sont donc qu'un cas particulier d'une palingénésie générale, et Socrate prescrit, je cite, 70D, texte important, de ne pas examiner seulement ce point à propos des hommes, mais aussi de tous les animaux, toutes les plantes, et en général, de tout ce qu'il y a un devenir, au sapère, écaille, bénissé. La formule générale et affirmative, qui suit justement l'exposé de l'antique tradition, les vivants ne naissent d'absolument rien d'autre que des morts, permet de passer d'un récit de la pérégrination des âmes à l'élaboration d'une logique du devenir. Son premier principe est que les contraires ne naissent de rien d'autre que de leur contraire. Par exemple, le bon du lait ou le juste de l'injuste. Mais quand il s'agit d'examiner si un contraire peut naître d'autre chose que son contraire, Socrate met tous les adjectifs au comparatif. Un terme qui possède un contraire ne peut donc devenir qu'à partir de ce contraire. Le juste, la propriété dénommée par ce mot, juste, peut être beau ou bon, mais s'il devient, c'est-à-dire s'il est le sujet du verbe devenir, il ne peut devenir que plus juste par rapport à ce qui du coup devient plus injuste, ou devenir plus injuste par rapport à ce qui du coup en devient plus juste.
Cette relativité réciproque est impliquée par le terme de l'union. Il faut se garder de donner à ce verbe un sujet. Il transcenderait, si vous voulez, ou qui posséderait les propriétés d'autrui. Quand il rapporte l'antique sentence, Socrate mutait deux fois le verbe mourir au participe aoriste, dont un temps de l'action, si vous commencez, un temps dépourvu d'aspect duratif, et deux fois au participe passé passif, qui indique l'état ou la propriété résultant d'une action technique. La difficulté de cet argument, me semble-t-il, tient à ce que s'agissant de vivants et de morts, il semble impossible de ne pas supposer un sujet qui vivrait, mourrait, revivrait, etc. De sorte que les propriétés contraires, vivants et morts, seraient des états résultant des actions, vivre, mourir, revivre, propres à ce sujet. Si ce sujet était l'âme, on aurait donc affaire à une remarquable pétition de principe, comme l'avait suggéré Arthurheim, et comme l'a développé, évidemment, Dorothea Frege. Car l'âme serait dotée d'une existence transcendant les propriétés qu'elle acquiert successivement. Apparemment absurde, qui aboutit à mettre vivant et mort au comparatif, cesse donc de l'être. Si on admet, je crois, d'une part, que devenir plus vivante signifie pour l'âme se délier davantage du corps, devenir plus morte s'unir davantage à l'âme. D'autre part, que devenir plus vivante signifie pour la pensée découvrir les moyens d'aller plus loin, devenir plus morte, rester dans la poésie. Le devenir a sa logique, il exclut toute immobilisation définitive, et relativise toute propriété. Mais ce mouvement se met dans un temps qui lui n'est pas logique, qui n'est pas non plus le temps inexorablement aimant des vivants, mais qui défait autant qu'il fait, qui fait advenir autant qu'il fait disparaître, fait naître autant qu'il fait mourir, renaître. Le temps impliqué par la réminiscence n'est pas moins surprenant, puisqu'il renverse la succession de bon sens entre apprendre et savoir. Apprendre et penser. La réminiscence, on dit on sait et puis apprendre à apprendre. Bon. Ce renversement temporel est pourtant compréhensible, en tout cas intelligible. Car alors, me semble-t-il qu'il est possible de juger que le premier argument n'a de rapport ni avec la philosophie, ni avec les essences, ni avec la pensée, il n'est pas très difficile d'interpréter philosophiquement, le mythe de la réminiscence, je suis loin d'être la seule à le faire. Comme je suis loin d'être la seule à le faire, je peux aller beaucoup plus vite et me contenter de préciser peut-être trois points. Pour qu'il y ait passage du percevoir au concevoir, la perception doit être perception non pas d'une chose, mais de sa déficience. Peu importe alors que la chose soit semblable. Il dit son âme, ou de l'éphérique, il se trompe. Puisque ce n'est pas la chose sensible qui éveille un souvenir, mais le manque éprouvé par l'âme d'un amoureux face à cette chose. Omettre la dimension érotique rend la réminiscence incompréhensible, et la participation impossible. Comment, en effet, concevoir la rencontre de deux types de réalités dont entièrement antinomique. Simplement, il faut bien la médiation de quelque chose, et cette médiation, c'est la médiation de l'âme d'un amoureux qui perçoit le monde de l'autre. Ce ne sont donc pas les expériences faites après la naissance qui fournissent à la pensée ses contenus, même si elle a besoin pour se ressouvenir de perceptions sensibles. Alors, de quoi se souvient-on? Le savoir que l'âme à posséder en totalité et oublié, n'est pas une somme de connaissances dont certaines se rappelleraient à son bon souvenir à l'occasion de perceptions sensibles. C'est un savoir de la nature des réalités, du mode d'existence dont elles se ressentent. Donc non pas des idées ou d'une idée en particulier, le
terme eidos au sens d'idée n'apparaît que bien plus tard dans le film en 100 BD, en 100 B4. Ça, j'y tiens. Mais non pas à souvenir du eidos, mais de Lucia, de la manière d'être de chacune. 76 B, qu'elle passa étoyauté aussi. Ça, on se souvient. Seuls les philosophes ont saisi ce manque dans les choses perçues, et c'est à elles que nous imprimons le sceau de ce que c'est quand nous interrogeons et quand nous répondons. Donc là, on voit pointer un autre nous, quand nous interrogeons et quand nous répondons, interroger le nous appelle à l'autre terme, évidemment, c'est à nous d'y aller ici. L'insatisfaction des philosophes, à ce moment-là, naît donc de leur désir du vrai et les rend capables de convertir toute présence sensible en signe d'une absence d'intelligibilité. Enfin, troisième point, c'est un pathos, un état de l'âme qui suscite l'anaphore du sensible à l'intelligible. Sillas avait donc raison de déclarer que l'exposé ne lui suffisait pas, qu'il fallait éprouver cela dans le logos. Quiconque est dans cet état comprend que l'âme ne peut apprendre que d'elle-même, en retournant à elle-même. Elle se souvient alors de sa puissance. La réminiscence, par conséquent, encore une fois, il me semble, ne se réduit pas à l'instant de l'anaphore, elle coïncide avec le mouvement de l'apprendre. C'est que il veut bien dire apprendre, c'est se ressouvenir, etc. Elle réaffirme ainsi explicitement la différence du philosophe, cette différence qui était laissée implicite dans l'argument du contraire, et elle rappelle avant sa véritable puissance. Socrate dit alors à un Cébès qu'il doit prendre les deux arguments ensemble. Celui de la génération des contraires, la nécessité pour l'un, la réminiscence a démontré que l'âme, même non incarnée, conserve de la puissance à démontrer la préexistence de l'âme. Les deux premiers arguments se complètent mythiquement. Mais comment s'articule-t-il? En changeant de point de vue, semble-t-il, et en comprenant le premier comme une manière de ne pas refuser à l'âme pensante son mouvement et sa vie, elle, périgonée, et le second comme la firmeture, papier des êtres qui ne deviennent pas mais qui sont en vérité qu'elle seule peut être affectée par eux. Ce qui est suggéré, du moins je le crois, par Socrate à ce moment, sera explicité par l'étranger dans ses fils. La crainte enfantine de ses interlocuteurs conduit Socrate à reposer la question en ces termes. À quelle chose convient-il de subir une dispersion, etc. Là, je vais aller encore plus vite. Je peux... Ça va bon. Chaque être est déterminé par sa puissance d'agir et peut-être surtout donc de bâtir. Ce ne peut lui arriver comme accident que ce que sa nature rend possible. Il est donc hautement vraisemblable que les réalités toujours mêmes, qui se comportent toujours de la même façon, soient des réalités non composées, que celles qui sont en perpétuel changement soient des choses composées. Où mettre l'âme? Ben pour l'instant, nulle part. Il faut donc comprendre que ces choses composées se décomposeront de la façon dont elles se sont composées. Non pas dont elles sont composées, mais dont elles se sont composées. Il s'agit de processus et non pas de nature, ce qui évite toute référence à la simplicité d'une âme humaine qui ne l'est guère, et à celle des idées qui peuvent parfaitement, on sait, être composées de parties ou divisées. Et composer donc une âme qui s'est intimement mélangée avec son corps. Elle ne se séparera pas de lui de la même façon qu'une âme qui aurait le moins possible comme une âme commerciale. La distinction composée-non composée conduit à poser deux espèces de réalité, l'invisible et visible, reste à intégrer donc l'âme dans l'une ou l'autre espèce.
ce qui ne va pas se faire en fonction de la simplicité de l'âme, mais de la manière justement dont l'âme aura vécu son union avec le corps. Non pas en fonction de la nature de l'âme, mais, comme y insiste Socrate, de la nature des hommes. C'est par rapport à elle, dit-il, 119b, qu'il faut comprendre visible et invisible. Car qu'est-ce qui peut voir le visible et ne pas voir l'invisible? Une âme unie à un corps. C'est pour elle que l'invisible est ce qu'on ne peut pas voir. Et Socrate emploie à ce moment-là le terme, non pas aides, mais aoratoi. Ce qu'on ne peut pas voir opposé à ce qu'on peut voir, justement. Terme qui ne sera repris qu'une seule fois par la suite par Cinéas. Car même si on donne métaphoriquement l'âme d'une capacité de voir, cette vision verra l'invisible, justement. Odeote aura noetante car aides, elle verra aides, elle ne verra pas l'oratoire. Bon. La distance, donc l'âme séparée verra l'aides, mais l'âme unie au corps ne verra pas ce qui est aoratoi, ce que ses yeux ne peuvent pas voir. La distinction visible-invisible ne peut être établie que du point de vue de l'union de l'âme et du corps, pas de celui de la séparation. Et de ce point de vue, l'âme des hommes a évidemment plus de ressemblance avec l'invisible. Elle ne pourra pas être détruite. Mais, comme tout dépend du degré de ressemblance et de parenté que l'âme présente avec l'une ou l'autre espèce, cette tentative généreuse d'inclure toutes les âmes humaines dans une seule et même catégorie est si peu tenable que Socrate s'empresse de la déstabiliser. Si c'est la puissance de pensée qui apparente l'âme à des êtres toujours mêmes, cette puissance n'appartient au plus haut degré qu'à celui qui, ayant philosophé, ou désiré d'apprendre. La parenté entre l'âme et les intelligibles n'équivaut à aucune relation logique, elle implique une spontanéité, un élan, voire les verbes s'élancer, être toujours avec, s'attacher à ce qui est pur, etc. D'où résulte cet oxymore, une connaturalité acquise. On dit, c'est une nature qu'on se donne, pas une nature qu'on a. Une connaturalité acquise, très étrange expression. Tout dépend de nous, non pas de la nature de l'âme en général, mais de la capacité d'une âme à philosopher droitement. Pour les autres, les âmes des mauvais, alourdies par l'élément terreux qu'elles contiennent, elles sont tirées vers le lieu visible, elles tournent autour des tombeaux, mais on peut les voir. Bon. Et elles errent jusqu'à ce que leur désir d'un corps les pousse, en fonction d'une similitude d'occupation, à se réincarner dans des espèces animales, stupides, sauvages, ou alors apprivoisées, politiquement correctes, etc. Théorie de la réincarnation ou typologie ironique. Tout dépend de l'esprit de sérieux de chacun. Il lit ce passage. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, seuls iront chez Hadès, l'invisible, les âmes, qui leur vie durant se sont efforcés de s'installer dans un lieu qui n'est pas seulement invisible, mais intelligible. Tous ne te semblent donc pas avoir un savoir de ces réalités, demande Socrate à Cinéas. En effet, tous ne l'ont pas. De quelles âmes Socrate pourrait-il dire que si ces êtres n'existent pas, elles n'existent pas non plus? Eime taota ou de tale? Sinon, de nos âmes à nous, vrais philosophes, qui sont seuls à poser ces vraies réalités et celles que j'ai voulu penser. Nos âmes iront donc dans l'Hadès, royaume où règne, comme le disait le Cratyle, un dieu philosophe qui ne supporte les hommes que morts, une fois leur âme purifiée de tous les maux et désirs qui se rapportent au corps. Là-bas, et dans l'Hadès, l'âme y va d'ailleurs moins qu'elle y est toutes les fois qu'elle pense, et des âmes des hommes, nous voici revenus à celle des philosophes. Il serait donc non seulement absurde que le philosophe ait peur de la mort, il serait absurde de croire qu'il puisse en avoir peur. La seule paramétrie dont ils aient besoin est celle que cela redresse la philosophie et philosophia para utilitari. On est parti du désir de séparation au propre philosophe et on débouche sur le travail de Pénélope, de la philosophie.
La boucle est bouclée, une chose est devenue claire, il existe une différence entre les âmes. Toutes ne vivent pas de la même vie, et toutes ne meurent pas de la même mort. L'immortalité ne va donc pas non plus être la même. Il me semble que ce passage ne développe pas un argument supplémentaire dit de la parenté ou de l'affinité, mais qu'il développe les conséquences que son opinion sur la mort a sur la même manière de vivre, mourir, penser, parler d'un philosophe. Conséquences que cela a sur son âme. C'est bien le même nous, un nous philosophe, qui parle tout au long de cette première partie où Socrate a chanté son chant du cygne et qu'un long silence sépare de la seconde, ce qui, comme en musique, annonce un changement de rythme et de tonalité. D'ailleurs, parenthèse, je ne crois pas que le Phédon, je ne lis pas le Phédon comme une tragédie en trois actes, un drame en trois actes, désolé, Diane, mais je le lis plutôt comme les trois mouvements de la plus haute musique que son rêve enjoignait à Socrate de composer. Trois mouvements musicaux de rythme, de tonalité différentes. Cette musique, évidemment, c'est Platon qui l'a composée, pas Socrate. Deuxième partie, il y a quelque chose de meilleur pour les âmes bonnes, et cela consiste à penser. C'est la seule chose dont Socrate soit certain. C'est la seule chose dont il n'arrive pas à persuader ses interlocuteurs. Signas et Sébès ne sont pas convaincus. Selon Signas, dont l'âme, c'est la vie du corps qui subsiste aussi longtemps que la combinaison harmonieuse du corps se maintient. Pour Sébès, ce n'est pas la mort qui fait périr l'âme, mais l'épuisement causé par un trop grand nombre d'unions et de séparations avec le corps. Mais pour tous les deux, la mort de l'âme est l'un lié à sa nature, pour l'autre, la mort de l'âme est imprévisible, accidentelle, mais inéluctable. Dans les deux cas, l'âme périt au moment où elle quitte son corps, son dernier corps. En présentant son objection, Signas dit à Socrate, je cite, « Or, et je pense qu'à présent tu l'as déjà compris toi-même, nous soutenons principalement que l'âme est une réalité de ce genre. » Une harmonie. Le nom de Signas, qui va commander la seconde partie, est probablement, je dis probablement, je ne me ferai pas couper la tête pour ça, mais je dis probablement le nous des pythagoriciens de sa génération. C'est un nous les savants en historie et en science de la nature. Réfuter Signas et Sébès, ce sera donc réfuter une conception scientifique des rapports naturels entre l'âme et le corps qui annule toute différence entre les âmes et refuse à l'âme toute autorité sur le corps. Lors du résumé de l'objection de Sébès, Socrate dit que pour Sébès, la mort est sujette à l'étroit, c'est une destruction de l'âme, mais il va substituer Flora à Olétros, là encore dégager le problème, s'attaquer aux causes de la génération et de la corruption. Il accepte donc de se situer sur le terrain scientifique commun à ses deux interlocuteurs. C'est pourquoi je crois que, puisque la réfutation de Signas de Sébès a fait, c'est l'autobiographie qui est la véritable réfutation des deux objections, et pas seulement des objections, mais surtout du terrain scientifique où ces deux interlocuteurs situent la notion de mort, situent la compréhension, la conception, leur conception de la mort. Alors, cette histoire, son autobiographie, c'est l'histoire d'un philosophe, d'abord ébloui par cette Sophia, un peu historien, qui constitue la réfutation, et Socrate raconte qu'il a commencé par partager avec les savants deux postulats, celui de l'homogénéité et de la continuité de tous les phénomènes, et celui d'un même mode d'explication du supérieur par l'inférieur. Mais les solutions proposées sont si contradictoires et même dans le domaine des mathématiques que Socrate devient aveugle. Bon, cette déception ressentie à la lecture d'Anaxagore offre au moins le mérite de lui faire entamer une seconde
l'élévation. Alors, ayant raconté pourquoi il a finalement refusé de s'inclure dans un nous savant, Socrate peut revenir à un discours qui soit philosophique, mais qui le sera différemment. Car la confrontation avec la sophia des savants lui a permis d'élaborer un savoir, le terme épistémé, là, va devenir un leitmotiv de toute la fin du film, une épistémée différente et de définir la méthode. Il va donc procéder à un examen dialectique de l'idée eidos, la cause, ce qui va le conduire à examiner d'autres idées. La forme particulière de la question et de la réponse qui ouvrait la première partie du dialogue avait lancé, j'ai essayé de vous montrer, un va-et-vient constant entre nous philosophes, annonçant même nous dialecticiens, nous vivants, nous hommes, puis enfin, dans la seconde partie, nous savons. Ce va-et-vient s'achève avec le passage de l'image de la mort à son idée. S'achève-t-il vraiment ? Pas pour voir. Que les idées soient causes n'est pas une conséquence déduite à partir de la position des idées, elle est la seule détermination de la cause compatible avec leur position. Les idées sont les causes véritables parce qu'elles sont seules intelligibles, elles peuvent seules rendre intelligibles. En ne raisonnant plus que sur elles, Socrate espère démontrer que l'âme est immortelle. Le dernier argument du Phédon va donc s'appuyer sur les rapports d'articulation et d'exclusion entre idées et sur les rapports de participation des choses à leurs idées. Je ne vais pas, donc je vais sauter le dernier argument, et je vais renvoyer pour son exposé et son explication, non pas ce que j'en ai dit moi-même, mais en ce que dit le professeur Giovanni Casartano quand il expose ma théorie, mon interprétation du dernier argument. C'est vraiment beaucoup plus clair même que ce que j'ai pu dire moi. Bon, la stratégie de ce dernier argument consiste à étendre le principe d'exclusion des contraires. Je voudrais juste dire un mot là-dessus, c'est qu'il y a bien d'abord l'exclusion des contraires est évidente pour les idées possédant le contraire, et les choses qui en participent. Elle s'étend ensuite aux idées et aux choses qui en participent, qui, en raison d'une double participation essentielle, la neige par exemple qui participe à son idée éponyme, la neige puis à l'idée du froid, possède ce que j'ai appelé, pour de mieux, un contraire indirect et non plus direct. Mais l'âme n'est pas une réalité comparable ni à la neige, ni au feu, ni au trio. Et c'est pour ça qu'il faut un troisième, il n'y a pas de double participation essentielle, précisément, parce que l'âme n'est pas une idée. Et c'est pour ça qu'il faut une troisième extension, l'extension à ce qui apporte toujours avec soi. Et voilà, on a le feu, la pierre, l'âme. Une réalité de cette sorte. Mais là, chaque fois, là, l'alternative posée est que quand un contraire s'avance contre une idée ou une chose possédant un contraire direct ou indirect, ou apportant un contraire indirect, cette chose ne peut que périr ou s'enfuir. Quand la chaleur s'approche de la neige peut s'enfuir là-haut sur la montagne, ou alors elle périt comme neige, c'est-à-dire elle fond. Bon. Pourquoi, s'agissant de la mort, s'agissant de l'âme, quand la mort s'approche, l'âme ne pourrait-elle que s'enfuir? Il faut donc démontrer qu'elle est non seulement immortelle, mais indestructible, ce que Socrate va faire en introduisant comme moyen terme éternel. Si éternel a un sens duratif, il introduit une notion de temps dans une démonstration logique. S'il signifie atemporel, il ne peut pas s'appliquer à des âmes, donc il vient de dire qu'elles apportent la vie à tous les vivants. On peut donc démontrer qu'un prédicat appartient nécessairement à un sujet, immortel à âme, mais comment pourrait-on démontrer la nature éternelle, incorruptible, indestructible d'une existence? Tout cela, ou bien cette existence l'est, par essence, comme celle des idées, Dieu, ou bien on ne peut qu'espérer qu'elle le soit. Rien ne peut légitimer le passage de ce qui est logiquement immortel à ce qui est réellement indestructible. Pourtant, Socrate ajoute,
et bien réellement nos amis existeront dans la terre. Nos amis, à nous qui, à nous vivants, ce n'est pas dans la terre que vont les âmes de tous les vivants, animaux et plantes compris. Elles ne cessent de mourir, l'être retrouvera. À nous, hommes, mais les âmes de ceux qui sont agrippés à leur corps retourneront vers le lieu visible par crainte de l'Hadès. Alors nos âmes à nous, philosophes, oui, puisque c'est précisément ce que Socrate a dit quand il parlait de leur parenté avec les êtres humains. Pourquoi finit-il par mettre cette existence au futur alors qu'il sait pourtant bien qu'elle y est, son âme, dans l'Hadès, quand elle passe. Ça ne l'empêche pas de dire, même si après il n'y a rien, de conseiller à Astinias d'aller aussi loin, mais pas plus loin, que le Logos peut-être. Un doute subsiste, une apistia. Du côté de Sinas, cette fois-ci, et Socrate lui dit qu'il a raison. Sinas a entrevu ou vu le paralogisme. C'est donc pas la preuve de son immortalité qu'il faut donner à l'âme humaine, il faut la persuader de vivre comme si elle était immortelle, et de prendre soin de ce qui en elle est indestructible ou vivant. La réponse du Phédon est donc que tout dépend. Tout dépend de la puissance que l'on reconnaît à l'âme et de la nature de ce dont elle est l'âme. En d'autres termes, il n'a pas été rigoureusement établi que la mort ne signifie pas la destruction de notre âme. Mais ce qui a été établi est la présence d'une puissance de pensée en l'âme, ou si on préfère, la différence entre le jeu de je vis et le jeu de je pense. Si on continue à ne pas l'avoir comme Criton, alors Socrate aura vraiment parlé pour nous. Comment comprendre, enfin, le que nous devons à Asclepios? Rassurez-vous, là je vais aller encore plus vite. Je suis sans doute extraordinairement naïve, mais je pense que la réponse, l'explication, est donnée, si on se reporte, au passage de 80A. Là, il est dit de quoi, justement, la pensée, la philosophie nous a guéri de l'errance, de la folie, des terreurs, des amours sauvages et des autres maux de l'humaine condition. Et en être délivré, ce qui permet d'espérer que nos âmes, purifiées, iront dans un lieu où il leur sera donné d'être heureuses et où, selon l'antique sentence, je cite 81, c'est dans la compagnie des dieux en vérité qu'elles passeront tout le temps qui reste. En ce cas, ce nous serait toujours le nous philosophe qui ouvre et achève la défense de Socrate. Et Socrate, le Socrate de Platon, n'aurait cessé de nous dire, tout au long du Phédon, de quoi la philosophie peut guérir nos âmes. Ma réponse va sembler sans doute simplette, naïve, mais aucune interprétation plus savante, je l'avoue, ne m'a paru totalement convaincante. Désolée pour cette dernière apistia, de mon côté, aussi. Et en conclusion, eh bien, ma conclusion tiendra en cette seule question, après avoir écrit la haute musique du Phédon, était-il nécessaire que Platon écrive le philosophe ? The elders of the IPS told me the keynotes don't require any discussion, so it's kind of traditional, I mean. And so I think we will have plenty of time during the week to address Monique personally about this paper. So I would like now to thank her a lot for coming all the way down to Brazil. It was very nice to come, really. And I would like to invite you all to the National Museum right now for our welcome cocktail. And a brief visitation to the museum. I've been told that they had a problem with the main entrance of the museum. So I'm not sure we can really get into the museum right now. We will see in 10 minutes. Four buses are waiting for us outside. I will ask you to go straight to the buses, please, so we can start as soon as possible. It's only 5 minutes ride, maybe four. Okay.
Okay? Thank you all for this lovely day.